On peut reprendre. Ouais, on va pas tar... bon, on va prendre le passage piéton. Hein. Là, on va rester à l'ombre. Ah, alors incroyable mais vrai, mais j'arrive à tout activer, le téléphone et la perche, alors que le câble de recharge est branché au téléphone pour qu'on puisse filmer en continu. Parce que là, j'arrivais dans le rouge au niveau batterie. Et c'est génial, il clignote en vert, ça veut dire qu'il est en train de se recharger tout en fonctionnant. C'est quand même la classe. Alors, la batterie se charge plus vite pour un faible niveau de charge. Au maximum, quand elle est à 50%, elle chauffe beaucoup. Mais une fois qu'elle arrive vers au-delà des 50%, c'est logarithmique là. Ouais. La recharge, ouais. La recharge. Le fait d'aspirer de l'énergie, ouais. Logarithmique. Non pas exponentielle. Ah. Donc du coup, d'après toi, on fait quoi? Là. Quoi? En face? Partie basse? Ouais, ça mène sur le chemin de la route. Ah d'accord, ok. Je te suis. Là, ça mène de côté rue. D'accord. Ok, passe devant. Eh ben. Ouais, on était passé par là tout à l'heure, ouais, c'est vrai. La moto tout est surprise. Mais c'est vrai, au niveau repérage, c'est pas forcément évident. Hop, le temps que les messieurs soient passés, je peux refilmer un peu plus bas. Au moins, ils préservent leur anonymat. Ah bah, sauf s'ils s'arrêtent, il faut que je refilme en l'air. Alors, mais là, c'est pas très intéressant ce que je filme. C'est parce qu'il y a du monde, il y a même des pêcheurs. Un jeune pêcheur, à mon avis, je n'ai même pas la majorité. Ah oui, on était passé par là. Effectivement. Ok. Ah, c'est bien. Là, il n'y a plus personne, donc je peux rabaisser la caméra. Hop, comme ça, je vais filmer personne. Nickel. Ouais. Ah, attention, il y a quelqu'un qui passe. Je regarde côté des propriétés. Oh, il y a un avion. Oh bah je vais lever le pied parce que je suis en confiance, je sais qu'on a... Bah oui, là on arrive sur la fin. Par contre c'est vachement abrupt, hein. Il n'y a pas tant à tomber sur la droite. Même surpris qu'il n'y ait même pas une petite barrière. Ouais. Canal de la Marbre. Hein. Tiens, pardon, je vais filmer ça. Canal de la Marbre. En tout cas, ce matin, j'en pense à l'événement qui s'est passé. J'étais content que t'aies rembarré le mec. Putain, je suis content. Oui, j'ai l'impression que t'es traumatisé de ton événement. Ça m'arrive souvent, ces genres de trucs-là. Par exemple, il m'arrive un truc. Je suis plus sur la défensive à rien dire. Et dès qu'il arrive une crasse ou quelque part là des coups de bas, ça me bloque. Ouais. Le mec il en profite pour m'écraser et puis c'est horrible. C'est qu'après à coup que je me dis ah oui c'est pas assez ça. C'est pas facile. Le mec il dit non c'est faux. Une fois que je descends j'ai mis une tarte. Non je l'avance. N'importe quoi. Mais non, tu vois, je l'avais déjà oublié là. J'étais plus en train de me dire les vaches qu'on a croisées et me dire j'ai toujours pas vu de chevaux. C'est différent. Ya.
Moi, je trouve même qu'on marche trop vite. Ouais. Attends, j'ai passé devant. Ah bon? Ouais, mais attends, je Ok. Ouais, relax, t'as pas besoin de courir. Je me mets un peu à distance. Comme tu veux. Je vais mettre devant la caméra, ta tête devant. On n'est pas bien là, relax. Alors honnêtement, je préfère mon bavard et vous raconter des anecdotes que j'ai en tête. Mais le moment est tellement agréable à poser, entendre les oiseaux, la vie et un petit qui pleurniche dans un appartement proche. La vie, quoi. Maillot de cycliste, mon ventoux. Attention derrière toi. Nous nous dirigeons actuellement vers le centre de Nancy, vers le port de Plaisance. Bon, bonne route. C'est ça. Merci. Comment passer subtilement de devant à derrière la caméra? La transition toute trouvée.
Faut absolument que je capture un son dans l'air de la commune des frontières. Général, c'est l'extension. Ouais. Un son que je trouve génial, c'est celui du Lac Van Raptor amélioré. Qui dit, j'arrive, ouais, c'est du gâteau quand il attaque. Ouais. Ça, c'est vraiment cool. Ça serait, si jamais j'ai besoin de ce son un jour, ça serait cool. Par exemple, pour l'introduction de stream, j'arrive, c'est du gâteau. Ouais. Faut que je capture, mais c'est tout con, hein, mais j'y pense pas. T'as même pas essayé de voir si t'avais en clair l'audio dans les fichiers du jeu? Bah, j'ai pas regardé. J'ai regardé notamment les. Quand j'ai fait les fichiers du jeu, j'ai été chercher autre chose de map pour essayer de les trafiquer. Ah bah tiens, comme ça ils verront l'avion. Bonjour madame. Tu te rappelles tout à l'heure quand tu étais au petit camp, bonjour madame. Oh, qu'est-ce qu'il raconte? Ouais, non, mais je leur ai raconté la vanne que tu m'as faite. Ouais. C'est malin, tu m'as eu. Eh bien, sacré farceur, tu m'as eu. Bonne douche en rentrant, je serais bien content. Oui, bah moi aussi, tu penses bien. Mais j'ai vraiment le sentiment de me rôder. À force de marcher ou de... Oui. Le rythme que j'ai avec toi... Ah, je vais être plus vite que toi? Non. J'ai mon corps qui l'accepte de plus en plus. Ah, c'est quand même un rythme particulier, même si je marche régulièrement. Vélo derrière. Ouais, merci, j'ai entendu, ouais. Alors eux, ils ont les vélos que j'aime, les vélos cargo avec les sacoches sur les côtés comme les facteurs. Ah oui, non, mais ils sont partis pour une grande randonnée. Ouais. Et il faudra que je vérifie, mon vélo, je l'avais entretenu il y a quelques mois. Je l'ai pas sorti de la belle saison là. Il faudra que je fasse des tests pour voir. Peut-être que je peux rien promettre. Peut-être que si mon vélo est en bon état et que j'en ai le temps, je sais plus parler français. Je vous offrirai en bonus une vidéo peut-être en solo. Et si je me rends compte que ça va bien, que le vélo tient, peut-être qu'on s'organisera, peut-être Nayone et moi, pour qu'on fasse en duo vélo. Moi je veux bien faire un vélo, mais il faut faire du vélo, mais il faut se préparer à l'avance. Faites un vélo quoi. Ah, t'inquiète, ah oui, t'as plus de vélo du tout, ok. Bon, bah sympa pour cette année. Moi j'en ferai peut-être une en solo, je sais pas, je verrai. Le problème c'est que j'ai déjà eu 3 vélos, mais on a volé les 3. Oui, t'es trauma, je sais. Je sais que t'es trauma du vol des vélos. J'ai bien compris. Il y a de quoi d'ailleurs. Faudrait pas que ça m'arrive parce que alors là, je suis furax. Ah oui, bon, ce vélo, c'est... Surtout que moi, j'ai un vélo que j'ai acheté qui est pas si vieux que ça, mais qui est de l'avant de l'obligation de l'immatriculation. Donc le mien, à part le certificat à l'ancienne, j'ai pas marqué sur le châssis ou gravé le numéro de série, l'immatriculation. Et je pourrais pas prouver aisément que c'est le mien. Et j'avais essayé de me renseigner justement pour le faire graver machin, mais le centre en question était fermé. Mais enfin, de toute façon, il y a toujours moyen de faire sauter l'inscription, même si c'est difficile. Hein. Oui, bah c'est comme les vols de bagnole et le fait de gratter la gravure. Ouais, c'est ça, le numéro de série sur le bloc moteur. C'est tristement connu. Ouais. L'immatriculation, ça rajoute qu'un éclairé pour ce que je dois faire. C'est efficace à 2%, quoi. Ouais.
J'imagine les lawmakers à avoir voté cette loi d'immatriculation des vélos, ces faiseurs de loi. Puis ça ne veut rien. Mmh. Ouais. Mais bon, il y a du bon comme du mauvais, à mon avis. Ouais. On aide des gens qui sont voleurs. Il faut faire en sorte de conserver que le meilleur. Ouais. Et surtout aussi, ça peut arriver. C'était quoi ? Attends, j'essaie de me rappeler la blague noire. Le mont noir. D'ailleurs, j'en retiens un peu, je trouve qu'on va un peu trop vite. Vas-y. Surtout qu'il y a un nuage, ça fait du bien. Ouais. Je retire ma casquette parce que là je boue. Je sais pas si tu devrais couper, j'ai envie de la faire la blague. Non, elle est trop. Non, mais il y a du public, tu vois, à mon avis. Non, c'est pas une bonne idée. C'était une blague noire que j'ai fait sur un serveur Discord avec d'autres personnes. C'est assez drôle. Censuré direct. Ouais, bah il y a quelques années, je crois que je t'avais raconté que j'ai failli me faire renverser par un gars qui tenait mal son chien en laisse. Ah. Il y avait une configuration de ce genre de chemin. Ouais. Et sauf que à la place des arbres, tu mets des haies. Ah oui. Et de l'autre côté des haies, tu mets un autre chemin. Ouais. Donc le chemin était double voie, si tu veux, entre guillemets, avec un terre-plein central, on va le voir comme ça, pour vélo et piéton. D'accord. Et moi, je passais en vélo. Le gars que je voyais pas sur l'autre côté, au-delà de la haie, il avait pas tenu son chien en laisse. Il est passé du côté de la haie. Devant moi, alors que j'étais en train de tracer en vélo. Bah, heureusement que j'ai eu le réflexe d'avoir un coup de guidon et que j'avais personne en face de moi parce que j'ai dû faire une embardée sans quoi le chien, je l'assommais et moi, je giclais dans le décor. Ouais, mais ça s'est bien terminé. Ça. Ouais. De justesse. Oh plaisir. Oui. Ah non, mais je fulminais sur mon deux roues le jour-là. J'ai le mec, il sait pas tenir son chien en laisse, ça va pas. Je suis passé à 10 cm de la catastrophe. Oui, il faut prendre le chien quand il n'y a plus de laisse, quand il n'y a pas dans un champ, où il n'y a pas de... où c'est sauvage. On était en zone rurale. Presque, je dis bien presque comme ici, mais... Ouais, c'était vraiment rural. J'étais dans la plaine Cambousse-Lorraine à ce moment-là. Personne derrière. Alors ça va bientôt être les soldes de Steam. C'est déjà les soldes de GOG qui se continuent jusqu'au 3 ou 13 juillet. Et les soldes de Steam, c'est 2 semaines, un jour. Enfin 14 jours. Oui, c'est la première quinzaine de juillet, je crois, si tu dis vrai, ouais. Au moment où on diffusera la première partie de cette vidéo, c'est idiot. On sera vers la fin des soldes. Parce que je crois que la première partie de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, ils la verront le week-end de la fête nationale. Le 15-16 juillet, donc le 16 juillet, puisque le 14 est un vendredi. Et alors la deuxième partie, ce qu'on est en train de faire là maintenant au temps présent,
Je pense que vous la verrez sur Twitch le dernier week-end de juillet, le 27 ou 28 juillet. Un truc comme ça. Parce que là, je profite de mes beaux jours, je vous le cache pas. Et je suis présent un week-end sur deux. Et ça va peut-être se calmer en août. Peut-être que en août, je vais peut-être pouvoir m'arranger pour être absent qu'un seul week-end sur les 4 du mois d'août. À voir. Pas sûr, mais avec un peu de chance, ça va être ça. Mince, je filme le trou côté herbe. Alors que je suis en train de réfléchir à mon agenda sur le long terme. Enfin, pour la saison estivale. Non. Non, il chantonnait. C'est moi, j'étais tout sourire d'entendre le mec passer en vélo avec la réverbération du tunnel. Il y a un bonhomme qui fait du bateau là, qui va être coincé au bout d'un moment. Eh ben, et voilà. Il se démerde. Eh ben, on aura le plaisir de le revoir tout à l'heure, en sens contraire. Bonjour. Il va même être coincé avant, parce que si je dis pas de bêtises, souviens-toi, on a croisé une écluse, l'écluse était fermée, je crois. Donc à mon avis, le mec, on va vite le revoir. Oh, mais je connais un cygne qui profite des remous, là. Oui. Il s'amuse comme un foufou, le cygne. C'est rigolo, hein. Hey. Alors, bah oui. Je parlais aussi comme ça à mon chat d'église. Ah là là. Bon. Ça va, il fait pas atrocement chaud hein, comme l'an dernier, je pense. Il devait faire 30. Mais là, c'est un été normal. C'est appréciable. Il y a de l'air, il y a du vent, on respire. Ouais, on peut faire les balades. Oui. Espérons que les amoureux sont pareils. Oui. La prochaine balade, je vais. Ah, t'avais dit où la prochaine balade? T'avais dit un truc. Non, t'avais pas dit. J'aimerais garder la boucle extérieure de Boisé du plateau de Mazéville pour septembre. Ah, ok. Ça me plairait bien, à moins que tu sois impatient. Non, je ne suis pas impatient. Mais moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on fasse la grande boucle classique. De quoi? Bah, du plateau de Mazéville, l'année prochaine, cette année. Non, bah, on la fera. Je préfère la réserver pour septembre. D'accord. Parce que c'est celle de septembre. C'est la grande boucle. Ouais, la partie boisée large sur les flancs. Ouais. La prochaine, je serais tenté de revenir au plateau au plateau. Mais tu vois, tu m'influences. Forêt de Haye. Ou alors, ouais. Au parc de Brabois. On va se situer au Forêt de Haye, mais on va juste au parc de Brabois qui est juste à côté, au bout du chemin. Tu veux faire juste le parc de Brabois? Bah, non, pas juste le parc de Brabois. Parce que ça fera pas 7 heures de tournage. Hein. Oui, oui. Ouais. Ça pourra en faire 3-4 si on tourne bien dans les allées, ouais. Mais certainement pas 7. Il faudra trouver du rab. Donc, mais si tu veux... Si tu veux, la prochaine, on fait le parc de Brabois. Il vaut le coup d'œil, hein, je te l'accorde, c'est vrai. Ça a repoussé depuis la tempête, ça fait 20 ans. Dans 23, dans 4 ans. Ouais. Est-ce qu'il y a peur le parc de Brabois aux alentours?
J'ai pas, je regarderai sur carte, sur plan. Je trouverai peut-être une extension, comme ça, dans un jeu vidéo, mais ce sera une extension de promenade. À partir du parc, doit y avoir moyen. Il doit y avoir moyen. Dans mes souvenirs. Est-ce qu'on va partir dans la même balade qu'ils ont déjà vu? Oui. Non, c'est, il est évident qu'on fera jamais le même trajet. La même année, la même saison. Pas possible. On a trop de choix pour interdit. Montrer à Plastin, mais tu l'as déjà fait. Est-ce que tu veux pour rigoler qu'on traverse le pont? Tu penses quoi? Tu veux une idée? Allons-y. Allez, on va faire la passerelle R Pierre. Non, Abbé Pierre, pardon. Merci. C'est beau, on voit les fleurs. Ah, c'est joli. Ah, c'est pas mal l'aménagement. C'est classe. Oui, il y a du monde. Bonjour, monsieur, dame. Hop, déjà, je vais essayer de finir un peu au-dessus. Bonjour, monsieur, dame. Bonjour. Oula. On va prendre le circulaire. Ouais, bah je te laisse le prendre, moi je prends les escaliers. Mmh. Vas-y, je te filme en 360. Voilà. C'est bon. J'arrive plus à suivre. Je vais me casser la figure. Alors, moi, il faut que je repasse par là. Ah oui, du coup, ouais, tu tombes bien. Alors que moi, je vais me taper un virage à 180 degrés en épingle. Attends, du coup, je ferme le haut de la structure pour pas filmer les gens. Est-ce qu'il y a du monde en face, non? Ouais, je peux filmer. Ouais, c'est loin. Interdit. Ouais, c'est ça. Tout véhicule. C'est pas grave, je m'adapte. Attention avec le câble. Pourquoi il me dit plus que 20% de batterie? Ah, c'est particulier. Hop. Eh bien. C'est ça. Thank you.
Ouais, elle a tout pété, ouais. Si tu veux, ça me pose du boulot. Au poteau, là où il y a le jouet du gosse. Non, ouais, je sais pas, mais la voiture avec de leur enfant, on la voit sur la droite, t'as l'image. Je tiens ma perche ou pas? Tu vas voir. Merci, mais ça va. L'eau, c'est la vie. Tu sais, sponsor. Pub sponsorisée par l'État, santé publique. Oui, quand je te disais que j'avais un oncle pété. Ah oui, ça fait mal ça. Non, ça va, là, il fait pas mal, mais il faudrait que je le coupe proprement à la maison. Revenu au bercail. Flotte. Le smartphone, t'es quoi? Il m'a dit un truc, j'ai pas compris. On voit mon dos. Ouais, et encore. Tu connais le Fiat Multipla? Ah oui, le Fiat Multipla, ouais. Le qui? Le Multipla. Comment ça, le Multipla? Ah, tu connais pas les youtubeurs non. Villebrequin? Non. Parce que là, je vois Multispèce. Ah! Non, j'aurais pas la référence culturelle, désolé. C'est des gars qui sont passionnés de bagnole, qui sont youtubeurs. Ouais. Et qui ont créé une voiture qui s'appelle le Multipla à partir du Multipla. Ah, le Fiat Multipla. Et c'est une sacrée bagnole de course. Ah ouais? Ouais. Parce que sur le Discord de Christella, je l'ai vu là-bas, et il avait montré des photos justement de ce type-là. Mais j'avais déjà regardé le gars plusieurs fois. Ça m'étonne que je ne connais pas, vu que tu es passionné de voiture. Eh non, je ne connais pas. Donc c'est Villebrequin. Mmh. Villebrequin, c'est une partie du moteur. Oui. Ouais. Ouais. Effectivement, l'idée de s'asseoir un peu. Il faudrait se hisser. Ouais. C'est très long. Attends, j'ai peur de me faire chipper la caméra. Non, c'est bon en fait. Non, mais. Je suis pas un autre. Ah, chipper! Je vais faire tomber la caméra. Non, bah je vais m'appuyer, ça me suffira. Merci. Excuse-moi, du coup, je te tourne le dos. Ouais, c'est pas grave. Je te vois de face dans toutes tes. Tu vas surtout observer que je suis bien dégarni de la piste d'atterrissage. Eh ben, ils ont le même fournisseur là, les voisins, ils ont fait un prix en commun pour leur grillage en bleu. Peut-être. Ils se sont mis comme un accord. Entre les deux, on sent qu'il y a un terrain à vendre. Tu vois le terrain ouais, derrière, on sent que c'est un jardin avec. Une maison qui était rasée. Ouais, ça fait en friche, mais c'est pas sûr que ce soit constructible. Faut voir au niveau du cadastre. Je sais que j'ai un couteau suisse, mais je crois pas qu'il fasse coupe-ongle. Je vais regarder par curiosité, mais je crois pas qu'il fasse coupe-ongle. Alors, bah tiens, je vais faire le con, je vais vous montrer le dit couteau suisse. Oh, c'est horrible. Donc c'est pratique, hein, ces machins-là, mais j'ai pas... Non, il n'y a pas de coupe ongles. Pas sonné. Je peux limer les ongles. Ah, pas couper. Ça peut dépanner. Oui. Mais non, il n'y a pas d'instrument. Il n'y a pas l'outil souhaité, mais c'est pas grave. Ça me fait pas mal et puis je pourrais paisiblement faire la coupe chez moi.
Là, j'ai de la sueur qui m'entre dans les yeux, le truc vachement désagréable. Eh ouais. Je me demande si je peux pas recharger un peu la batterie. On est bientôt fini, je pense. Je sais pas. Merci, on est pas là. Attendez, excusez-moi pour l'effet Gerbotron, mais je vais essayer de. Non, la prise, elle est là. Est-ce que j'arrive à stabiliser le bordel du coup? Ah, c'est pas évident. Ouh là 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 là. Ouais, la machine est prise à son propre poids. Je peux pas la faire ouais, comme ça, un peu en bancal, c'est stylé. Je vais laisser la perche télescopique se recharger quand même un peu, parce que je dois avouer qu'elle, ouais, elle est dans le rouge. Donc je vais laisser se recharger 10 minutes. Là, on s'offre une bonne pause, on peut parler de tout et de rien. Il y a, proche de nous, il y a un pêcheur. Pardon ? Il a chopé un poisson, le monsieur. Ah, il a chopé un poisson, le monsieur. Ah, bah c'est bien. C'est la classe. Ou alors, ce que je peux faire, c'est mettre le sac comme ça. Hop là, doucement. Oh, regarde, il arrive à en choper un. Ah oui. Il va tout doucement. Oula. Ouais, je vais essayer de faire comme ça. Il se laisse, il va tout doucement. Hop là. Un beau poissonnet. Ah, il y en a qui sont bleus. Il va pas loin, ça marche très bien. Oui. Il y a déjà deux personnes qui nous matent depuis leur fenêtre et qui se disent mais c'est qui les loustiques. Il y a peut-être d'ailleurs le propriétaire du véhicule gris auquel on est, qui se pose des questions, qui se dit mais c'est qui les loustiques qui roulent à côté de ma bagnole. Et je comprends parfaitement le proprio qui flippe. Ah, d'ailleurs je vais pas parler trop fort pour pas déranger le poisson et le pêcheur qui a visiblement du succès. Ah, il a libéré. Oui, c'est ce qu'ils appellent en anglais no killing, ne pas tuer. C'est juste la prise. Ouais, le gain de la prise, mais il relâche immédiatement derrière en s'assurant que le poisson n'est pas blessé. Il ne peut pas juste le prendre pour le manger. Non, je sais que cette pratique est courante. C'est ceux qui ont le plaisir de pêcher, mais avec le gain, c'est tout. Bah, l'approche surtout écologique de ne pas détruire la nature. Alors, peut se poser la question de, certes, il leur lâche sans l'avoir tué, sans le consommer, mais est-ce qu'il n'a pas blessé et qu'il ne va pas être faible, mourant? Alors, la question peut se poser, je ne suis pas biologiste pour répondre à cette question, mais pour avoir justement interrogé par le passé un confrère informaticien, justement, qui avait comme passe-temps la pêche en mode no killing, ne pas tuer la prise, je lui avais posé la question, il m'avait fait comprendre que non, on fait en sorte que le poisson lâché ne soit pas blessé, que, comme à la normale. On a juste le gain du mérite d'avoir réussi une prise, et c'est tout, c'est à notre plaisir, on se prend en photo avec, et puis on le relâche. Voilà. Après, je ne pourrais pas vous en dire plus, je ne pratique pas cette discipline. On se dégourdit un peu les jambes, et puis... On y va dans 5-10 minutes. Ouais.
bébé. Ah, un avion. C'est un avion. Il y a un fils de ton blême qui est là-bas. Ouais, ouais, ouais. L'aérodrome, mon CSM, aussi, pas derrière. Là, il se prépare à atterrir, je pense. Oh, c'est un... C'est encore un peu élevé. Ouais, mais c'est un petit avion, au moins 4 places. Ça va être un Cessna 4 places. Enfin, ça va être le même d'aéronef que j'ai fait quand je t'ai raconté la seule fois que j'ai pris un avion. Ah oui. Du plateau de Malzéville et faire une boucle au-dessus du château Salins. Ouais, je pense qu'il va se poser, soit faire une boucle, soit se poser. Ouais. J'ai le même appareil que j'ai pris quand j'étais gosse. En tant que passager, évidemment. Eh hey, tiens, il y en a une pas mal en parlant d'avion en France. Il y a quelques jours de ça, on a un Rafale. C'est craché, oh non. Non. Les militaires ont bien fait leur boulot. Ils ont intercepté en vol un avion de tourisme qui avait franchi une zone interdite aérienne. Ouais. Il était passé, si je dis pas de bêtises, au-dessus de la centrale nucléaire de Fessenheim. Ouais. Donc alerte, décollage des militaires. La tour de contrôle la plus proche à la radio, il leur avait s'était adressé au pilote de l'avion qui était dans l'illégalité en disant « Identifiez-vous et atterrissez d'urgence sur nos pistes pour que vous soyez appréhendés. » Le gars, il n'a pas répondu. Ouais. L'avion de chasse des militaires l'a pris en chasse, un Rafale, je crois, qu'ils avaient sous la main. Ouais. Et contact des militaires vers la cible civile qui était la cible là, qui était incorrecte. Le gars, il répond de rien. Ouais. Et puis ils se rendent compte, les militaires, qu'il largue quelque chose avant de se diriger vers la dite piste d'aéroport. Ouais. Sur le coup, qu'est-ce qu'il a largué? Ils essayent de le cueillir sur l'aérodrome civil, l'aéroport civil. Le mec menaçant qui se barre en courant de son cockpit, menaçant envers le personnel au sol de l'aéroport, où normalement il aurait dû être convoqué en tour de contrôle pour se faire contrôler. Le gars agressif, tu sais, qui insulte et qui menace de mort tout le personnel de l'aéroport, le gars qui se barre à pied. Et évidemment, les militaires qui atterrissent avec le Rafale qui l'interceptent. Il s'est fait cueillir par le GIGN. Un Polonais qui était fiché à Europol, la police européenne. Le mec était fiché, il avait fait plusieurs infractions douanières pour trafic de stupéfiants. Donc c'était les stupéfiants qu'il avait lancé. Ouais, sa cargaison de drogue de synthèse qu'il avait balancée en plein vol. Ce qui fait que les policiers, les militaires se sont amusés à récolter tous les petits paquets sur plusieurs villages qu'il avait largué d'assez haut, en espérant que personne n'ait gardé le contenu. Bah oui, ça craint. Et non, mais très bon boulot des forces et militaires et de patrouille aérienne au sol. Non, c'était un loustic, un malfrat qui faisait une livraison de drogue par voie aérienne. Très bon boulot des forces de l'ordre. Ah là là, on dirait pas, mais il s'en passe des choses dans le ciel français par moment. Alors, que me dit la perche? Elle se recharge, elle est contente. Bon, écoute, je suis à 45 minutes de vidéo, on pousse encore 10 minutes, un quart d'heure à papoter ici. Ouais, du coup, je vais encore boire. Mais oui, moi aussi, je bois aussi. C'était ça. Et puis, attends, je vais remettre la casquette parce que le soleil retape. As-tu de l'eau plate? J'ai de l'eau plate, moi, si t'en veux. Ah non, c'est bon, je vais ouvrir ma seconde bouteille. Ouais, moi, j'ai la mienne. J'ai ma Wildman Freud que j'adore. Putain, merde, si je suis tombé le gobelet au vin, ça va pas le faire. Merde. J'ai étouffé avec tout quand je t'ai dit. Ouais, ok. Je sais pas pourquoi. Que je t'ai interrompu en fait. Je suis en train de boire et je suis coupé. Non, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Enfin, pas encore.
la perche est tournée. Et là, ça. Depuis hier, je sais pas pourquoi, j'ai le hoquet okay facile. Je sais pas pourquoi. Ouais. Est-ce que ça garde la mémoire? Ah oui, ça garde en mémoire. Je vais peut-être filmer autre chose. Oui, parce que le monsieur qui pêche, ouais. Ouais. Sans offense, mais. Là-bas, il n'y a rien, c'est bien. Oui, je sais pas, je vais. C'est mieux quand même qu'ils mettent des couleurs sur les immeubles carrés. Oui. C'est tellement plus classe. Mmh. Déjà que c'est pas les belles constructions des années 1800 ou 1700, tout ça. Voilà, ils jouent à la pétanque. Oui, j'allais dire, ça rigole, mais. Je serais méchant, je dirais, on est proche de Neuneville. Jarville, en fait. Quoi? Jarville. T'as pas compris la vanne, mais c'est pas grave. Non, non, j'ai pas compris. C'est pas grave, ça. Elle est nulle, elle est nulle. D'ailleurs, c'est une voie de garage pour péniche là. Ça fait, tu vois, il y avait la barre de métal. Bah, c'est pour faire. C'est bah, pas pour ça faire des choses. Ouais, ça s'accrocher, ça fait quai. Bah, c'est pour qu'il rentre dans la partie haute. Ouais. Ah non, les portes sont pas là. Ouais, ça fait parking. Ou alors c'est pour se croiser. Je pense que... C'est pour se croiser. Je sais pas. Ah le bruit, c'est l'eau qui coule, ok. Je sais pas si le mec avec sa péniche qui nous saluait tout à l'heure, il a pu passer là où il y avait l'arbre. Ouais, je pose la question. Il a peut-être pu passer, tu penses qu'il est parvenu? Bah, il aurait serré à droite. En même temps, je sais pas comment il peut faire pour faire demi-tour. Ça doit être balèze. En fait, à un moment, il y a un grand carré, mais s'il le sait pas à l'avance, je te dis pas la merde, le gars, il est coincé, il peut pas reculer. Le problème, c'est que dans l'hélice, il y a une branche qui va, ou une végétation, après, c'est plus possible de naviguer, quoi. De plus avancer. Ouais, c'est le risque, c'est le risque. D'ailleurs, au moment où on enregistre cette sortie, je suis toujours en train de me dire que j'ai du retard dans mes projets de la chaîne YouTube. Mmh. J'ai toujours pas mis en place les podcasts. Tu sais, si tu te souviens, toi, j'avais fait un enregistrement sur le plateau. Mmh. Et, une petite séquence. Et, je sais plus quoi. Oui, les vidéos privées, j'ai toujours pas pu mis en place. Ça viendra petit à petit. Quand je gagne un peu de temps libre, et que j'ai envie d'être productif en dehors de Minecraft, je le ferai. Mmh. Je vous informerai le cas échéant. C'est-à-dire que vous pouvez avoir accès à une nouvelle liste de lecture. Oh tiens, et je me suis amusé un des rares soirs où il n'y avait pas d'activité Twitch, ouais. Que d'aucun d'entre vous diffusait, ouais. Et que j'avais pas de rediffusion à voir moi pour faire les clips. Et ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé. Mmh. Je me suis dit, tiens, nostalgie, je vais regarder le seul jeu d'horreur que je vous avais fait à l'époque de ma phase bêta de test de chaîne. Souviens-toi, c'était le Slender 2. Slender, c'est pas celui qui est. T'es dans la forêt tout noir, tu as trouvé des papiers, puis il y a un Slender qui te fonce dessus. C'est ça. J'avais fait le 2. T'as fait le 2? Tu te souviens pas? Non, je crois que j'étais pas. C'est pas la période où j'étais pas là. Peut-être, je sais pas. Je me suis amusé à leur battre. Je les avais là. Alors, pas sur la fin. Sur la fin, j'expliquais que je finissais par avoir une routine habituelle. Encore que j'ai eu des sursauts, ce qu'on appelle le saut de frousse, les jumpscares. Ouais. Mais j'étais moins réceptif à la frousse sur la fin parce que je finissais par deviner la mécanique de jeu et j'arrivais presque à anticiper quand il allait me tomber dessus. Enfin, le Slender ou un autre monstre, parce qu'il y avait la petite fille torturée aussi qui était pas mal, la fille fantôme. Mais j'ai bien rigolé à me revoir. C'est une séquence qui dure 3 heures qui fait partie de mes vidéos bêta, la phase de test. Ça valait le coup que je fasse. C'était rigolo. Ouh, je vais reboire un deuxième gobelet. Je suis bien épuisé, j'avoue. Mmh. J'ai mis fondré tout sale sur mon lit. Oh. Mmh.
scotch. Le chien qui est attiré par le pêcheur, le poisson. Attends, j'ai bien vidé la flotte de mon. Les trois bouts de mon gobelet, c'est comme j'embarque l'électronique. C'est sûr qu'il faudrait pas que ce soit. C'est ça en train de cuire. Je suis en train de repenser à une des anecdotes que j'avais mémorisées pour faire le bavardage. Un technicien, tu sais, dans les manèges justement de fête foraine, là, qu'on parlait de la foire tout à l'heure, de Nancy, les techniciens qui inspectent les manèges, toute la mécanique, c'est pas de la tarte que je sache à bien vérifier tout le schmilblick, parce que tous les manèges ne se ressemblent pas. Et il y a un inspecteur qui était, alors ça c'est peut-être ma surinterprétation, il avait 61 ans, je me demande si le mec avait plus que quelques trimestres avant la retraite, et il lâchait du lest, il devenait négligent en disant hop, je passe, je signe et je me barre. Ouais. C'est l'effet que ça m'a fait à la lecture de l'article. Et manque de bol, il y a un gamin de 16 ans qui est mort dans une des extractions qu'il avait contrôlées, parce qu'il y a une pièce mécanique qui a lâché. Oh, merde. Et quand il y a eu l'enquête de police, ils se sont rendus compte que l'inspecteur avait bâclé son inspection mécanique et qu'il avait signé un peu trop vite l'acte de conformité et le droit d'exploitation du manège pour un ou deux ans, je ne sais plus c'est quoi les périodes, mais c'est rigoureux et heureusement. Et procès. Ils sont en procès les exploitants et propriétaires du manège, plus l'inspecteur qui a été reconnu en faute lourde ou grave, je ne sais plus la différence, la qualification qui a été retenue, mais il est dans la merde, on ne va pas se cacher. Là, il va prendre cher pour négligence. Parce que ça a coûté la vie à un jeune de 16 ans, c'est bien triste. Je crois que j'ai une autre histoire, un autre témoignage, il faudrait que je retrouve dans ma mémoire, du même genre, quelqu'un qui a fauté professionnellement parlant. C'est triste, hein, mais... Et ce téléphone te sert uniquement pour les films, les balades? Non, il me sert aussi pour le Discord en semaine. Ah oui, parce le que chat. Je bosse sur mon ordi sur Linux, et Linux gère mal, alors, ça dépend de ta distribution, mais Linux gère mal pour le moment les fonctions avancées multimédia de Discord. D'accord. Souviens-toi quand j'avais une voix robotique ou assurée. Oui. C'est Linux manque de bol, ou alors j'ai pas installé ce qu'on appelle le bon paquet, la bonne fonctionnalité pour que ce soit stable. J'ai pas réussi jusqu'à maintenant. Oui, oui. Et je m'amuse pas à faire perdre ça. Du temps, voilà, c'est chronophage, c'est intéressant. Mais J'avais testé les Discord sur Linux, c'est vrai que c'est galère le micro. Ouais. Et du coup, il me sert à la fois pour les promenades, et c'est pas plus mal qu'il me serve pour les Discord quand je suis prêt à bavarder en vocal, en semaine, en soirée. Ce que je fais de temps en temps avec plaisir, quand justement j'ai pas du contenu à voir le soir qui m'intéresse, et que j'ai envie de bavarder avec vous quand je joue à Minecraft. Je le fais, je salue Torota. Torota, ça arrive régulièrement qu'on fasse ça. Enfin, régulièrement, j'exagère. J'aimerais que ce soit régulier, mais de temps en temps, non, honnêtement, on le fait un soir toutes les trois semaines en fait. C'est à peu près la période qu'on observe. Du coup, c'est bien, ça me permet d'entretenir l'appareil et la batterie et de le mettre à jour régulièrement. Parce que je me fais au moins un Discord, je me sers pour Discord, je pointe ne serait-ce qu'une fois par semaine. Donc c'est bien. Discord et balade. Et sinon, j'en fais rien d'autre du téléphone. Même mon téléphone de secours, là, qui a été mon premier avant que j'ai le stabilisateur. Et encore merci Popon, gros bisous. Le premier téléphone que j'avais qui me servait à filmer, il ne me servait qu'à filmer. Je m'en servais pour rien d'autre, parce que mon vrai téléphone à moi, qui est le plus vieux et dégradé technologiquement, c'est celui-là dont je me sers pour appeler, faire les messages, etc. Voilà. Non, j'ai la chance de bien exploiter mon matos. Je fais tourner, j'attribue des fonctionnalités à chaque matériel. Voilà, pour répondre à ta question. Voilà, je sais que j'ai beaucoup de chance d'avoir ce bon matos et c'est un bonheur. Je suis content de pouvoir vous partager tout ça. Ah oui, c'est récent ta caméra, ton matos. Tu avais racheté récemment une 1050 ou une 1060. Oui. Acquisition, parce que ma précédente avait cramé. J'avais une 460 GTX qui avait flambé. Ah, l'alimentation alors? Non. Je surchauffe de la puce en plein jeu. Je faisais Golf with your friend et image fusée, terminée. Elle avait grillé. Et
Tu vois, moi j'ai l'impression que ma carte graphique, mon port PC, ma carte graphique, je crois que c'est des condensateurs qui sont morts et c'est des condensateurs chimiques. J'ai regardé pour les changer et à mon avis, ça doit être pas trop compliqué si je m'y prends bien. Ça serait, si jamais elle est complètement morte, je pourrais changer. De toute façon, si ça tient encore 2 ans, c'est bon, mais si ça lâche avant, ce serait une bonne idée. Et trouver, j'ai appris qu'il fallait mettre la bonne puissance au microfarad, le bon voltage, le même facteur de forme. Et faire gaffe. Le problème de mes condensateurs, en fait, il y a des condensateurs chimiques, quand ils sont morts, ils éclatent. Il y a la croix qui est au-dessus, il y a une rupture qui est faite exprès. Il faut montrer quand il faut les miens, ils sont lisses. Donc je vois pas. Oui, il y a un effet que j'appelle le pop-corn caramélisé quand il pète. C'est bien foutu, mais. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Oui, ça me rappelle mes cours de technologie quand j'étais au collège. Ah oui, c'est là que j'ai appris les soudures. Moi. Ouais, les soudures, tapant. Alors j'étais le roi du pied à coulisses. C'est l'outil pour en 3D, ouais, mesure en 3D les pièces. Le pied à coulisses, ah oui, le truc comme ça, tu pied à coulisses. J'étais le roi du pied à coulisses. À chaque fois, je frôlais les 20 sur 20. J'avais des mesures précises vachement bien. Et ça, et puis les codes de résistance, les codes couleurs, les traits fins et épais là, de différentes couleurs. Et vous faisiez la somme pour savoir au niveau de la résistance combien elle allait parer, gérer en intensité électrique. Non, c'est intéressant. C'est intéressant. Eh ouais. Ouais, c'est plus tout jeune, ça a 20 ans, je crois. Ah oui. Ouais, toi aussi. Non, ouais, ça fait 20 ans même, ça fait. Ouais, ouais. D'ailleurs, je me pose la question, est-ce que c'est encore enseigné? Ça fait. Faudrait que je pose la question. 30 ans, en fait. J'ai mon neveu, lui, il a fait une formation agricole, donc il a pas fait la voie générale, donc je pense pas qu'il puisse me répondre. Il faudrait demander à Jay. Ah. C'est con, oui. C'est con, mais dans la communauté, il faudrait demander à Jay, qui est notre Benjamin. Ouais. Savoir est-ce qu'il y a des cours de techno. Mais je sais pas pourquoi, mais je pressens qu'il va dire non. Ouais. Donc, je pense que les cours de technologie ont dû gicler. Ils ont dû gicler parce que maintenant, il n'y a plus de. Et quand j'ai voulu réparer ma carte à mère pour un professionnel, je n'ai pas trouvé sur Nancy. Ouais. Donc, à mon avis, ça ne cherche plus les métiers-là. Maintenant, tout est fait en Chine, c'est assemblé une seule fois et c'est vendu comme ça. Quoi. Réparable, pas du tout. Ouais, c'est dommage. Je pense qu'ils gardent en lycée technique, filière technique, mais pas générale. Ouais, c'est bizarre. Moi, je sais déjà que la dernière réforme là, pour le baccalauréat, justement, c'est l'épreuve de philo et la philosophie qui a été condamnée ou bûchée. Parce qu'ils étaient la première épreuve, et si j'ai bien compris, ils sont devenus la dernière à la CRI ou à l'oral, je ne sais plus, en dehors du grand oral. Qui ça? La philosophie a été mise au placard. Donc les profs de philo, ils gueulent depuis plusieurs mois en disant « Bah oui, on est les dindons de la farce, de la réforme, c'est nous qui... On s'est fait en papaouter, on va être poli. » Par le gouvernement qui a changé les règles pour le baccalauréat, et la philo, au final, tout le monde s'en fout. Il y a des parents d'élèves qui répondaient, qui disaient « Mais non, mais si mon gamin vous répond à l'examen de bac en philo, à l'oral, en étant en tong, short hawaïen, lunettes de soleil, qu'il est en mode vacances, c'est que lui, il a déjà franchi la ligne d'arrivée, il sait qu'il va avoir le bac, donc lui demander à faire 100 mètres d'épreuve en plus, il les fait les mains dans les poches, quoi. » Ouais. C'est triste, hein, mais la symbolique, elle est là. Ouais. Donc les profs de philo, ils sont dépités, ils comptent pour du beurre. Et bon, ben voilà, c'est dommage. Je pense que j'ai assez rechargé le pied, le téléphone. Il reste une... que je pense que je pourrais partir. Un ou deux kilomètres, pas plus. C'est vrai qu'on est quasiment sur la fin. Ça m'attriste presque. Ouais, c'est vrai que ça n'a pas tenu longtemps. Mais c'est là, c'était bouché là-bas. Ils ont fait n'importe quoi. Je pensais qu'en fait, qu'on y allait faire 3 heures d'un sens, 3 heures dans l'autre. Et de l'autre côté, 3 heures. Et de l'autre côté, 3 heures. C'est renversant. Ça fait 18 heures. Donc non, 2 heures, 2 heures, 2 heures, 2 heures.